fait, aujourd'hui, on a de la donnée sur le recrutement qui est un peu éparpillé, on va dire, partout, et sur l'open web, et sur les systèmes d'information des recruteurs. Donc, historiquement, c'est dans les boîtes mail, c'est dans des viviers divers et variés, dans des CV tech. Donc, on a une donnée qui est éparse, et en plus, qui est hétérogène, qui n'est pas structurée, et donc qui est sous-exploitée, puisque pour un besoin de recrutement donné, on a du mal à scanner toute la donnée, tous les candidats potentiels qu'on peut avoir pour identifier les candidats qui pourraient y répondre. Donc, il y a clairement un gros travail à faire pour être capable, comme on le fait par exemple pour les bases clients, d'être sûr qu'on va rater aucun candidat et qu'on va consolider toute cette donnée pour l'utiliser au mieux dans les processus de recrutement.